JD, ou dois-je t'appeler Rayanche? Alors tu sais. Et donc, que vas-tu faire? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu ressens? Tu iras chez ton amant, et puis quoi? Tu crois qu'il t'écoutera? Il est tellement déçu. Déçu de tellement de bagarres. Ah bon? Et tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis perse. Monkey. C'est le message d'Oudé. Karma Mills Bandoup est à seulement 8 km d'ici. Ne t'inquiète pas, Pankti. Nous allons retrouver Tante Chital. Et ainsi commencera la chute de JD. Pankti? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, je ne peux être qu'avec Ahan. Et où iras-tu alors? Voir la police? Bébé, la police est dans ma poche. Vraiment? On sent... Bébé? Bébé? Bébé, pourquoi joues-tu à cache-cache? Je souhaite voir cette peur dans les yeux de JD, cette défaite, lorsque nous aurons dit la vérité au monde entier. Si tu es courageuse, montre-toi. Le fait est que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu iras voir Anita. Quoi? Hein? De quoi, hein? Tu vas aller voir Manaf, c'est ça? Dis-moi, tu vas voir Aparna, dis-le-moi! Parle, bébé! Qui vas-tu aller voir? Dis-moi! C'est Vikram que tu veux voir? Hein? Tu iras voir Bourva? Tu vas me répondre? Ce que je pense, JD, c'est que tu as cessé de réfléchir. Réfléchis un peu. Réfléchis. 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 Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et où est-ce que je peux aller, à ton avis? Tu ne pourras rien faire, bébé.
Rien du tout! C'est de cet endroit dont vous parlez. Que vas-tu faire? Dis-moi, que vas-tu faire? Bon sang, mais tu vas me dire qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, une porte. Essayons d'entrer. Je suis sûr qu'elle est ici. Anne, regarde là-bas. Regarde. Ce n'est pas la montre de Tante Chital ? Oui. Ça signifie qu'elle est ici. La supposition de Monsieur J.D. était juste. Je pense que Anne et Pankti vont essayer de retrouver Chital. J'ai pu remarquer sur leurs deux visages qu'ils avaient un indice. Cachez bien Chital. Anne, on dirait que cette usine est abandonnée. Tante Chital était ici. Mais peut-être que JD sait qu'on la recherche et qu'il l'a transférée ailleurs. Pas de problème. Nous savons déjà ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Allons-y.
Oui, c'est Napa. Monsieur, Ahan et Pongti étaient bien là. Et ils n'ont pas vu Madame Chital. Génial. J'ignorais vraiment que mon bébé était aussi intelligente. C'est parfait. À présent, le jeu sera amusant. L'ennemi ne perd pas sans se battre. Cette victoire sera vraiment mienne. Tu peux m'attendre. J'arrive. Oui, monsieur. Tu devais être heureuse d'avoir vu les tiens, n'est-ce pas, mon amour? Une minute. Cela signifie que Pongti est au courant de tout? Qu'elle sait tout. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter à ce sujet. Je vais m'en occuper. En ce qui te concerne, apprête-toi juste à mourir. Pour mon plan, ta mort me sera vraiment bénéfique. Tue-moi. Mais tu n'auras jamais la paix. Qui veut la paix, ma chérie? Je veux seulement mon bébé. Monsieur, regardez ça. Le tueur le plus recherché, Rayange Diwan. Une récompense a été mise en jeu pour quiconque le trouve. Ce tueur a échappé à la police et se promène librement parmi nous. La police a annoncé qu'elle donnerait 50 000 à la personne qui donnerait les informations le concernant. Sa photo et ses informations sont également partagées sur les réseaux sociaux. Ne rends pas le jeu aussi dangereux, mon bébé. Tu es très chanceuse. Tu as été encore sauvée cette fois-ci. Et laisse-moi d'abord m'occuper de l'autre femme. Après, je finirai bien par te tuer. D'accord? Anne, tu crois que c'est le bon choix? Nous sommes conscients que c'est un peu risqué, mais c'est le seul moyen de faire de la principale force de JD une faiblesse. Allez, allez. Vous pouvez circuler. C'est bon. Stop. Regardez et retenez bien ce visage. Vérifiez bien chaque voiture. Cet homme ne doit pas s'échapper. D'accord? Allez-y. Oui, maman. C'est le seul moyen. Nous devons lui rendre la tâche compliquée. Comment ça se passe de votre côté? Vos papiers.
Espérons que la vie de Sheetal ne sera pas en danger. En ce moment, il ne pourra pas nuire à tant de Sheetal. Il doit vouloir se sauver. Je crois fermement, ma tante, que très bientôt, il devra dire la vérité devant tout le monde. Car la police va très vite l'attraper. Hé ! Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Y a rien, monsieur. Allez, circulez, circulez ! Juste des tambours et des sacs. Descendez. On y va, avancez. Allez ouvrir. Allez, 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 on y va. Plus vite. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Reculez. Alors, comment ça se passe? Tu as tout regardé? Non, je suis en train de vérifier. Allez, laisse-le partir. Allez, tu peux descendre de là. Vas-y, sors. Pankti. Prends ça. Matarani va te protéger contre ce meurtrier. Mon enfant, je suis profondément convaincue que tu gagneras. Tu gagneras cette bataille. Et ça devant tout le monde. Je dois y aller. Prends soin de toi. Le tueur le plus recherché, Rayang Diwan. Une récompense a été mise en jeu pour quiconque le trouve. Ce tueur a échappé à la police et se promène librement parmi nous. La police a annoncé qu'elle donnerait 50 000 à la personne qui donnerait les informations le concernant. Sa photo et ses informations sont également partagées sur les réseaux sociaux. J'étais sur le point de conclure un marché avec lui, et il se trouve que c'est le criminel le plus recherché. Oh. Un criminel qui a été démasqué. Pankti, prends soin de toi. Il a sûrement déjà compris que tu l'as démasqué. Et il deviendra plus dangereux. Prends soin de toi. Nous ne le laisserons pas gagner cette fois. Non. JD ne gagnera pas cette fois. Devenir Rayang pour JD n'a pas été difficile pour lui. Si nous ne le faisons pas attraper cette fois, alors il fera des choses encore plus atroces. Bye. Prends soin de toi. Où est-ce, Monsieur Giant? Il est mort. Rayang chez Monsieur Giant. Pankti m'a dit de quelle manière vous êtes liés d'amitié à Londres. Oui, à Londres.
pour consolider cette amitié, je suis venu ici. JD ne gagnera pas cette fois. Rayanche est donc Monsieur Giant. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un moyen pour gagner de l'argent. À présent, regardez comment je vais gagner mes 10 millions. C'est maintenant que tout va se jouer, bébé. Après mon prochain déménagement, ton amour sera à moi. Le criminel le plus recherché, Rayange Diwan. Ce criminel recherché s'est échappé de la garde à vue. En ce moment, il erre librement parmi vous. La police a promis de donner 50 000 roupies à celui qui donnera des informations sur lui. C'est un message d'Ahan. Rentre à la maison, je veux qu'on parle de quelque chose. Écoutez, il y a des complications. Des complications ? Docteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Tant que nous n'aurons pas les résultats finaux, je ne peux rien vous dire. Merci. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Richa, écoute-moi. Richa, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça pourrait te faire, hein ? Que quelque chose arrive à notre enfant, Vikram. Notre enfant ? Oui. Mais de toute façon, ça change rien du tout. Je sais bien que tu t'en fiches. Tu sais quoi, Vikram ? Voilà ce qui arrive quand on joue avec la vie d'autres personnes. Dieu commence à jouer aussi avec la tienne. J'ai besoin qu'on fasse une pause, toi et moi. Je vais retourner chez mes parents. Richa, écoute-moi. Arrête, Vikram. Et n'essaie surtout pas de me suivre, ok ? Richa, écoute-moi. Richa, ouvre la portière. Richa, écoute-moi. Alors, Vikram, vous partez déjà ? Non. S'il vous plaît, ne me parlez surtout pas comme ça. Attendez. Sinon, je vais... La relation père-fils, ça vous dit quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, vous allez voir. Je vais vous expliquer quelque chose. En l'écoutant, votre âme et chaque bribe de votre conscience vont en trembler. Mais vous devrez en payer le prix. 10 millions. Mais comment mon oncle peut-il tomber aussi bas ? Kaira. La fin est proche. Si le plan de Pankti et Ahn fonctionne... Ça va marcher, maman. Mais... Tante Chital ? Il n'y a aucune trace de ta tante. Mais tu... Tu savais déjà tout ? Combien de temps m'aurais-tu caché ça, Aparna ? Ahn m'a tout avoué. Nous avons cherché ma tante partout, mais elle n'est nulle part. Et nous ne savons toujours pas où... où se cache mon frère JD. Allô ? Allô ? Ici le commissariat de police. Nous avons du nouveau concernant Rayanche. Est-ce que vous pouvez venir avec votre famille ? Nous aurions quelques questions à vous poser.
On arrive tout de suite. Qui a-t-il ? C'était le poste de police. Ils ont des informations sur Rayanche. Il faut qu'on y aille. Allons-y. Vous savez ce que c'est ? C'est l'urne funéraire de Monsieur Giant. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ce n'est pas absurde. Voici ce qui reste de l'urne et aussi de Monsieur Giant. Pourquoi ? Ça vous étonne que je l'aie ? Oui. C'est impossible. Nous avons jeté les cendres de papa dans le Gange. Alors comment avez-vous fait ? Oui, mais son nom est écrit là-dessus, regardez. Écoutez, je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais quoi que vous fassiez, vous devrez en payer le prix. Mais non, j'essayais juste de vous faire comprendre que ce n'était pas le bon. Que le vrai Monsieur Giant est toujours vivant. Et celui que vous avez jeté dans le Gange, c'était une autre personne. Assez. Je ne tolérerai pas une seule blague à propos de mon père. À quel jeu vous essayez de jouer ? Vous n'avez pas remarqué qu'après la mort de Monsieur Giant, quelqu'un est entré dans votre vie et a commencé à s'intéresser à Anne et Pankti. Comme Monsieur Giant, à vrai dire. Un nouvel ami qui est là tout le temps. Chaque fois qu'Anne et Pankti sont en danger. Lorsqu'il y a une explosion pendant le concert d'Anne, pendant le mariage d'Anne et Pankti, quand sa robe blanche avait pris feu et a failli la brûler vive, il était aussi là chaque fois que survenait un malentendu entre Anne et Pankti, qui pouvait les amener à se séparer définitivement. Pas Monsieur Giant. Un autre homme. Un autre visage. Mais des intentions absolument identiques. Quelqu'un qui est entré si facilement dans votre vie, qui est arrivé chez vous, et il a commencé à y vivre comme s'il était chez lui. Il a commencé à faire marcher tout le monde à son propre rythme, comme si c'était sa propre famille. Que son âme repose en paix. Quelqu'un qui t'aime ne reste jamais loin, même s'il s'en va, crois-moi. Ton père aussi est tout près de toi. C'est qui ? Rayanche ? Monsieur Giant. Anne ? Ma tante ? Inspecteur, qu'est-ce que vous avez appris sur Rayanche ? Nous le cherchons toujours. Dès que nous mettrons la main sur lui, nous vous le dirons. Quoi ? Monsieur l'inspecteur, j'ai reçu un appel de ce poste de police, selon lequel vous aviez des informations sur Rayanche. Un appel venant d'ici ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Dis-moi ! Quelqu'un les a appelés aujourd'hui ? Non, monsieur. Personne n'a appelé. Anne ? Anne ? Je vous le dis, j'ai reçu un appel d'ici. Anne ? Où es-tu ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je t'ai appelé ? Quand ? Pankti, où es-tu ? Mais tu m'as envoyé un message, pas vrai ? Tu m'as dit de rentrer à la maison, alors j'y suis. Où est-ce que vous êtes ? Pankti, je ne t'ai jamais envoyé de message. Quoi ? Tu ne m'as pas envoyé de message ? Alors ? Allô ? Qui est-ce ? Rayanche ? Pankti, une seconde. Oui, monsieur l'inspecteur. Vous perdrez un temps précieux à me sermonner.
alors que j'attends que vous veniez m'arrêter. Où êtes-vous ? Très bien. On arrive tout de suite. Le téléphone de Junior est verrouillé. Rentre vite à la maison. Nous devons parler d'une chose importante. Envoyez. Oui, monsieur. Le travail sera fait. Je vous enverrai l'argent dès que possible. Waouh, ma chérie, ah. En voulant suivre la fourmi, tu as enfin appris les méthodes de JD. Très bien. Tu as découvert une partie de mon plan uniquement. Allez. Je le sais à présent. Et tu le sais aussi. Et tu sais très bien que je le sais déjà. Et donc dans ce cas, le jeu est devenu équitable. Le plaisir peut commencer. J'aime ça. C'est apparemment l'adresse du manoir de JD. C'est notre adresse. Pankti, JD est à la maison. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Papa, je vais à la maison. Viens avec la police au plus vite. Allez, préparez une équipe. Allons-y. Venez. On y va. Roméo et Juliette. Ir et Ranja. Sonny et Maïval. Et à présent... Anne et Pankti. Sais-tu ce qu'il y a de commun entre tous ces noms et vous? Tous ces gens étaient... aussi fous amoureux les uns des autres. Mais malheureusement, ils n'ont jamais pu être ensemble longtemps. Aucune fin heureuse. Celle d'Ahan et toi finira aussi de la même façon. La fin de qui cette fois-ci? Seul le temps nous le dira. Rayanch. Ou JD. Waouh, bébé. Tu es devenue très intelligente. Intelligente. C'est mon influence. Ça ne peut pas être celle de Junior. Et qu'est-ce que tu as dit? Seul le temps nous dira à quand ma fin. Allons, bébé. Ton temps, c'est moi. Je suis ton destin. Et ton Dieu aussi, c'est moi. Maintenant, je vais te montrer comment ta fin arrivera. Ceci marque donc la fin.
de l'histoire d'Ahan et Pankti. Ceci est la fin des fiançailles d'Ahan et Pankti. Et ceci est la fin de l'amour de Ahan et Pankti. Bébé, tu sais pourquoi j'ai le droit absolu de décider de la fin de votre amour. Parce que votre amour a vu le jour. Grâce à moi. Tu t'en souviens? Tu étais mon amante. Et c'est pour cela que tu as rencontré Junior. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ah! Oui, il a gagné 10 millions de roupies. Mais je vous ai sorti, moi, de la pauvreté, ta mère et toi. Qu'a fait Ahan de si important pour toi? Je t'ai appris à vivre dans ce monde. Ahan a-t-il fait quelque chose de semblable? J'ai abandonné ma vie, ma famille, la richesse, l'amour. J'ai fait tant de sacrifices. Pour toi, Ahan a-t-il fait quelque chose de semblable? Moi, Jayandan Rajgir, propriétaire de ce manoir d'Anrajgir et de la société JMD. J'ai tout laissé. J'ai embrassé la mort. Ahan a-t-il quelque chose de semblable? Les gens se détruisent par amour. Je suis mort et je suis revenu pour toi, bébé. J'ai acquis une nouvelle identité pour toi. J'ai acquis un nouveau visage. Alors dis-moi, Ahan a-t-il fait quelque chose de semblable? Alors pourquoi c'est Ahan et Pankti? Et pas JD et Pankti? Dis-moi, bébé. En choisissant Ahan, ne sous-estimes-tu pas mon amour? Dis-moi. Oui? Je le reconnais, je t'ai acheté comme un objet. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aimais pas. Oui, peut-être que ma démarche était mauvaise. Cette guitare estampillée Roméo, connaît-elle le chemin de l'amour? Bébé, un seul amant a le droit de t'aimer. Et je suis cet amant. Ne m'irrite plus autant, bébé. Quel nouveau visage veux-tu? Je peux prendre 10 apparences. Vous avez piégé Rayange pour faire arrêter JD. C'est pourquoi l'heure est venue pour Rayange de disparaître pour toujours et à jamais. À présent, Rayange doit s'en aller pour toujours et à jamais. Alors, Monsieur Rayange Diwan, au revoir. Bye bye. Adieu.